Genre, toi, tu te préoccupes du bien-être animal, alors que ton kiff suprême, c'est les knackis. Moi, tu vois, au moins, je mange de la viande locale, je vais chez Laour. Hein. Parce que tu te trouves plus cohérente. L'année dernière, tu me disais, oui, il faut acheter des vêtements d'occasion pour faire marcher l'économie circulaire. Et en janvier, tu t'es ruée sur les soldes avec tes copines. Et puis la bouffe, oui, tu achètes du bio, mais t'as pensé au transport dans ton bilan carbone? Non, parce que franchement... Tu me fatigues, tu checkes ton téléphone toutes les 3 minutes. C'est sur 365 jours dans l'année, en fait, c'est bien pire qu'une pauvre mangue bio une fois par an, hein. Oui, bon, je m'en fous. De toute façon, fumée, tu es pollue, je vais aller m'en griller une petite. Tu l'emporteras pas au paradis des écolos, mon salaud. Que c'est compliqué, pas drôle. C'est sûr, elle s'ennuie à mourir. Mais non, elle réfléchit. Si je te dis qu'elle s'ennuie, c'est qu'elle s'ennuie. C'est bon, on va pas y passer de la journée. Allez hop, je ferai un mètre de vous là-dedans. Dis maman, est-ce que je peux aller jouer? Mais bien sûr ma chérie, vas-y. Allez, c'est reparti. Moi c'est joueuse. S'il y en a bien une qui sert aux cartes générales, c'est moi. J'aime jouer, bondir, frétir, rigoler, ne pas prendre les choses trop au sérieux. Depuis que Lina est toute petite, c'est moi qui m'assure qu'elle ne grandisse pas trop vite, qu'elle garde son âme d'enfant. Non mais écoutez, là, te prends pas trop au sérieux quand même, c'est un peu moi qui bosse ici. Si j'étais pas là, ces journées ne seraient pas si merveilleuses. Sans moi, adieu, bonbon, Nutella, ketchup, frites. Moi, c'est gourmand, je dirais que je suis un peu le garant du patrimoine gastronomique français. Mais regarde-la, justement. On voit comme ses yeux pétillent de bonheur. Ça a l'air trop bon. Oh ouais, vous êtes fous ou quoi? Vous savez pas qu'il y a une palme là-dedans? La déforestation, ça vous dit quelque chose? La culture du palmier à huile a contribué à déforester 80% de la Malaisie. Vous les aimez pas, vous les grands singes? Ils ont besoin de la forêt pour vivre. Comment voulez-vous que Miguel des As de la Jeune passe pour taper, taper, taper? Non mais c'est bon, arrête, tu lui as gâché son goûter là. Et moi, c'est déchets. Je dirais pas que je suis une héroïne, mais presque. Mon job, limiter la quantité de déchets des humains. 2 milliards de tonnes produits par an. Je sais, j'ai du boulot. Surtout qu'il y a le vent qui emporte tout. L'inattention des humains, tous ces déchets qui s'accumulent, le 7e continent, les tortues qui s'étouffent, les phoques qui se coincent la tête dans les filets, les baleines qui prennent le microplastique pour du plancton. Je suis un peu débordée. Vous auriez pas un truc pour me déstresser? Allez, courage, déchets, t'as toujours tenu le coup jusque-là. Tu vas pas baisser les bras maintenant. Et comment je ferais sans toi pour protéger les animaux? On est un trio infernal, on est les protecteurs de la planète, les éveilleurs de conscience qui préparent la révolution écologique entre les plaisirs et la planète. Lina, fais attention, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Tu le remous quand tes dents sont propres pour rincer. Lina, éteins-moi cette lumière en sortant. Combien de fois va falloir que je te le dise? Pas drôle, la maman. Non, mais t'es malade. Si elle n'était pas là, on devrait se taper tout le boulot. Heureusement que les parents nous aident un peu. Ça fait un peu d'eau et d'énergie économisée. Merci, bien joué, maman. Oh, regarde celle-là, comme elle est belle. Aïe! Ah ouais, regarde celle-là, c'est trop beau. Merci, la copine. Toi, au moins, tu m'arranges pas. Vas-y, on en cueille plein pour faire un cadeau de la fête des mères. Okay. Ça y est, elle commence à me prendre par les sentiments. S'il te plaît, nature, laisse les faire, ça a l'air tellement amusant. Ça marche, les filles, vous avez feu vert pour cette fois. Les gars, tu vas le tuer comme ça. Chope-le, je le veux pour ma collection. Il se débat dans tous les sens, c'est tendu. Oh, mais vous faites quoi? Vous êtes pas en train de lui faire du mal, là? Non, je suis juste curieux, faut savoir faire des sacrifices pour la science. Je vous verrai bien vous faire jeter en prison, séparé de vos amis et de votre repas. Ah, ça m'énerve! Je vais déclencher l'alerte rouge. On sauve l'animal! Oh, mais t'es super cruel, en fait, on veut pas tuer les animaux. Vécu dans la solitude et la peine. Miguel,
garde ton sang. Bon les amis, je crois qu'il est temps d'enfoncer le clou pour permettre à notre petite Lina de pousser plus loin son dégoût et de se mettre à l'action. Oh non, attends, il est trop cool ce dessin animé. J'adore ce passage. On a besoin des jeunes pour prendre soin de ceux qui nous restent. C'est ma sœur. Bravo les amis, voilà notre Lina toute triste au possible. J'avoue que je suis peut-être allée un petit peu trop fort. Moi ça m'a carrément coupé l'appétit, c'est pour dire. Tu veux pas qu'on lui sorte un petit chat tout poil? Lui est tout mignon pour qu'elle puisse le caresser, ça lui remonterait le moral, non? Bonne idée. Tu trouves pas que c'était cool le cours aujourd'hui? C'est pas vrai, c'est toi, non mais. Mais si tu aurais pas touché, on aurait pu le. Non, c'est toi. Toi. Mais c'est à cause de toi. Toi. T'avais qu'à pas t'embrouiller. T'avais qu'à faire ça. Mais non, mais c'est toi. Eh oh, Lina. Je me sens pas très bien là. Je vais m'asseoir. Waouh, vous sentez comme elle est bien là? Oh oui! Emmenons-la encore plus haut pour lui donner l'air dont elle a besoin, de la vallée d'Ossau, de ses montagnes et de Pyrénées. Toi aussi, forêt, merci de me donner tout ce qu'il me faut pour dessiner, m'asseoir, me chauffer, respirer, vivre. Sans vous, je ne serai rien. Sans vous, je ne serai rien. Ça y est, les amis, ça sent le jeu en pleine chute. Fini la dépression. Les arbres sont la vie. 2. On doit protéger la planète. 3. J'aimerais garder mes petits plaisirs. Tu es presque. Les forêts sont la base de notre vie sur Terre. Un quart des émissions de gaz à effet de serre sont absorbées par la forêt, qui abrite 80% de la biodiversité terrestre. Je sais, on va planter des arbres. Ouais. Hâte-moi d'un doute là. C'est pas parce qu'on va planter des arbres qu'on pourra plus couper des branches et faire une cabane et jouer. Direction du 5e arbre. T'es prête? Là, tu le mets là. Allez, allez, courage. On y est. Les explorateurs sont en grève, ils sont en train d'inaugurer le parc de BMX et a priori, ils ont complètement oublié qu'on était là pour planter des arbres.